Non, on ne connaissait pas l'hydrogène, on ne connaissait pas. Première expérience en hydrogène. Ce soir, il y a 100 véhicules et on propose en fait des trajets d'un point à un autre pour expliquer, faire découvrir la Toyota Mirai et l'hydrogène aux clients. C'est très silencieux. On a l'impression d'être dans une bulle. Et c'est tranquille, c'est calme. Les véhicules hydrogène, je trouve que c'est bénéfique parce que déjà, il n'y a pas le bruit du moteur. Donc on a un plus grand confort pour le métier qu'on fait. Et en plus, on ne pollue pas. Alors là, on a tout compris. Là. Ça pollue moins la planète. Ouais. À refaire, franchement, à refaire. J'ai l'impression que tout le monde est gagnant. Quoi. Tous les clients que j'ai qui s'interrogent en fait, sur ce type de véhicule sont très étonnés de savoir qu'il y a des voitures à hydrogène qui sont déjà sur la route. C'est vrai que ça fait quand même un peu réfléchir. On voit maintenant ces véhicules arriver. C'est presque une balade de Paris avec une voiture à énergie du futur. Sous-titrage Société Radio-Canada.